de retour et avec beaucoup de reconnaissance parce que nous sommes en santé. Nous avons la joie de vivre, le sourire aux lèvres. Et justement, parce que vous êtes là dans cette aventure avec nous, on vous dit merci pour chaque moment, chaque instant, tout ce que vous faites, vos prières et même votre haine, là, on est, hein, je vous le dis tout de suite. Mais sincèrement, merci de faire cette émission avec nous. Aujourd'hui, c'est mercredi. Émission portrait avec la sulfureuse, la diva, la sublimissime. Elle est extraordinaire. Elle a eu un parcours magnifique. Elle a traversé les chemins tumultueux, les critiques, les mauvaises langues, les mauvaises paroles avec la tête bien haute. Et c'est justement normal parce que c'est une Miss. Aujourd'hui, nous aurons le bonheur de partager ce plateau avec Miss Togo, Miss SL Tosu. Elle est au studio. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Quand je regarde autour de moi, on dirait que... Non, là, on dirait que tu le loues à crédit, quoi. Il faut chanter, on sent que tu as chanté, c'est pas à crédit. Tu as porté la gamme très haute. OK, allez chercher. Quand je regarde autour de moi, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer. Pour vous faire bien vous asseoir. Parce qu'on est encore arrivé et aujourd'hui, mercredi, il y a forcément les prénoms du jour. On doit célébrer normalement qui? Bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. Les spectateurs. Aujourd'hui, mercredi, en pays Yévé, comme vous le savez, nous célébrons les Akou, les Kokou. En pays Kabyes, ce sont les Tilalo et les Tilabalo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons célébrer les Anani, les Apollos et les Artemas. Apollo, hein? Ouais. Les Apollos, hein? Ouais, les Apollos et les Artemas. Apollos et les Artemas, voilà. Donc, on va aller à la découverte de votre personnalité. On va voir tout à l'heure ce que ça augure, mais bon, restez avec nous quand même. Alors, aujourd'hui, Jerry Wisdom, Age Avant, Monsieur Kwakwato, on fuit sur les réseaux sociaux pour trouver ce qui va et ce qui ne va pas. Comment? Exactement. Bienvenue aujourd'hui, on est le mercredi, on a affaire à la Miss Togo 2022. Et bien sûr, on va l'accueillir comme cela se doit, mais ce n'est pas pour le moment, OK? Alors, on va lui poser toutes les questions et elle a le devoir de nous répondre et nous dire exactement ce qui se passe. Vous êtes dans la pause. Bienvenue, mes chers téléspectateurs. Merci, Jérémy. Comment pas te louer? Alors, à la guitare également au micro, normalement, on devrait entendre la voix de Monsieur Kenopi. Et maintenant, oui, concentration, Kenopi va reprendre la voix pour nous, s'il vous plaît. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu étais en train de chanter, j'ai eu comme un message en fait, une révélation divine. Laisse-moi te dire que Jésus te dit, toi, ne me loue pas. Si c'est comme ça, tu dois me louer, frère, laisse. Il faut faire autre chose. Toi, joue la guitare parce qu'il y a forcément la voix d'un un Yannick Smoussi, monsieur Gaya, qui va louer le Seigneur pour le Seigneur, s'il vous plaît. Attention, on y va. On y va. Et... On y va. Yannick, c'est comment? Comment ne pas te louer? Non, ça va aller. Non, c'est bon. Pardon. Non. Non, laissez tomber. Menteur, je te fais confiance. Quelle tristesse! Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu! Je suis sous le choc, ça va aller? Non, merci, c'est bon. Non, je sais chanter. Ça, c'est bon. On va repasser la
parole à Tilalo simplement parce que peut-être qu'elle va faire mieux que vous. Envoyez-moi un micro rapidement. Tilalo, ne mets pas la honte, s'il te plaît, parce que toutes les mamans dans tous les marchés sont en train de dire oh non, miabe tu vas dire là, dis hanami, niawamende de quoi, comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer. Seigneur. Il n'y a pas besoin de micro pour ça. Miss Célia, on reprend le micro. On va voir si elle va faire mieux. Il faut dire merci au Seigneur, convenablement. Hé, hey, ma fille, hey. Tu es mon assistante. Hein. J'ai confiance en toi. Hein. Bien, elle chante. Hein. Elle chante même. OK. Oh, Célia. Comment ne pas te louer. Hey, voilà. Seigneur mon Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu, alléluia! Je suis morte de rire parce que j'ai vu quelqu'un danser à la régie. J'envoie un gros bisou à la régie. Bon, allez. Non, tout est normal, ma chérie Coco. Tout est très normal. Bon, alors, je vais reprendre et vous allez suivre une fois pour de bon. Quand vous voulez louer le Seigneur, montrez-lui que franchement, vous êtes reconnaissant. Il faut que ça vienne du ventre, que ça arrive dans le larynx ou le thorax, je ne sais pas comment ils appellent. Super. Mais il faut que ça sorte dans la bouche. Vraiment, vraiment. Et que lui-même, là-haut, là-bas, il se lève pour danser dessus. Les déhanchés acrobatiques du Seigneur Jésus, ça dit « Comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer ?» Comment ne pas te louer, hey. Seigneur mon Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur mon Dieu. Merci pour eux. Oh my God. Merci. Alléluia. Merci à tout un chacun. Merci à tout un chacun pour la location. Il a pris, hein? Si. Il a dit merci. Il a même dit merci. Voilà, tout simplement. Alors, quelle est cette chose sur son parcours qui vous a le plus marqué? On va faire un tour de table rapidement. J'aimerais justement qu'on puisse revenir sur ce parcours extraordinaire d'une reine de beauté ici au Togo. Les téléspectateurs ont envoyé tout plein de messages également, des questions à lui poser aujourd'hui parce qu'elle est dans cette émission. Elle va vraiment vous parler à cœur ouvert. Elle va vous dire comment elle a vécu son mandat, quels ont été les hauts, les bas et les milieux également, pourquoi pas. Wow. Mais vous, qu'est-ce qui vous a inspiré ou alors qu'est-ce que vous avez remarqué qui vous a marqué sur son parcours? Attention. Oui. Hein. À toi d'abord. Merci beaucoup. Thank you. OK. Alors, pour moi, c'est sa simplicité. Sa simplicité t'a marqué, toi? Tu as volé mon mot. Hein. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué sur elle? Ben, le retournement de situation, je vais le dire comme ça. Ils ont validé la tenue, là, ici, c'est... Non, mais laisse-moi te dire que c'est juste une... Non, c'est là où j'en venais, merci. En fait. Parce que c'est ça que les anges y portent dans ce Bien ciel. Sûr. Mais si. Justement, ah, mais... Non, réponds ma question. OK, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui t'a non, marqué sur elle? Non, honnêtement, elle est l'incarnation de cette chanson de Toofan qui dit « Il m'a pris de zéro pour me faire devenir héros ». Ouais. Donc, vraiment, moi, ça m'a touchée. Et c'est pour dire également à quelqu'un... C'est pas tard, en fait. C'est vrai que tu sors d'une famille, voilà, modeste... Mais, Modeste, c'est le nom de Kossi, hein. Laisse-moi parler. Non, vas-y, parle. Voilà. Mais c'est possible de changer ta situation. C'est possible pour Dieu de te faire devenir une héroïne, un héros, où que tu sois. Donc, persévère, garde la foi, et puis tout ira bien. Voilà. Persévère, garde la foi, et tout ira bien. Les garçons, qu'est-ce qui vous a inspiré sur son parcours? Bon, Yannick, toi, t'es pas obligé parce que t'as fait la moitié de son parcours en France. Mais non, voilà. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui t'a inspiré? Non, c'est pas faux. Après, je rejoins quand même Eve, parce que je pense que ça a changé un peu de celle qu'on a l'habitude de voir au Miss. Et je pense qu'elle a apporté ce petit changement-là, et ne serait-ce que pour son année. Et c'est positif quelque part aussi.
Ça reste très, très positif, oui. En tout cas. Alors, aujourd'hui, donc, avec tous ceux qui nous regardent, on va revenir sur un parcours très délicat et particulier. Nous, on l'a vu faire. Hein. Tous les jours, elle sort, tu vois. Elle porte sa couronne. Elle est souriante. On ne sait pas derrière qu'est-ce qu'elle a vécu. Est-ce qu'elle a eu une nuit blanche? Est-ce qu'elle a été marquée et touchée par les attaques sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle a pleuré? Est-ce qu'elle pleure? Parce qu'on voit une personne qui est tout le temps là, qui est tout le temps joyeuse dans les actions sociales aux côtés du comité Miss Togo ou le comité Miss Togo aux côtés donc de la Miss, oui, sur le terrain en train de faire 1000 actions. Mais qui est le vrai personnage caché justement derrière Mademoiselle Estelle Adjo Jacqueline Tosu dans cette émission aujourd'hui? On va le découvrir avec vous. Mais avant toute chose, attention, on va célébrer quand même les gars, comment tu les appelles? Les Ananis, les Apollos et les Artemas. On va célébrer les Ananiers. Les Ananiers, les Apollos et les troisièmes. Artemas, voilà. Et donc, on vous souhaite une bonne fête d'anniversaire. On part tout de suite avec le jingle de l'oracle. On se retrouve juste après. Exactement. Claquement du doigt, votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Comment préparer la Saint-Valentin? Ça, c'est une très bonne question. Attention, comment préparer la Saint-Valentin? Déjà, on sait que vous avez un Valentin, c'est pour ça que vous réfléchissez à comment préparer la Saint-Valentin. Oui. Et elle dit qu'elle s'appelle Clémence, elle vous fait un coucou spécial depuis Agbalé-Pédo. Merci Clémence. Elle dit, Océane, tu vas déjà me donner ta tenue. Donc, ça peut faire la Saint-Valentin, il faut juste une petite rose rouge. Voilà. Et puis, ça passe vite fait. Hein. La vie! Coquine! Alors, dans l'atmosphère sans l'océan d'Océane, je me perds à chercher le whiz de wisdom. Oui. Et c'est quand je goûte au sel raffiné de Célia que je me retrouve dans mes bonnes manières. C'est alors que je, accompagnée au son de la guitare de Kenopi, que je prends la route à la recherche du travail. Et sur ce chemin, je rencontre la chère Ève, qui de par son sourire me fait dérouter et déambule tel un ambulant menteur. Ah. Et dans mes tourments, dans cet oracle de perturbation, il n'y a que cela. Qui remplit de sagesse, me caresse dans le sens du poil. Joël, de par sa franchise, et maman Suzanne, de par sa douceur. On est tous d'accord qu'entre vide égale gourmand trois fois. Hein? Attention. Gourmand, hein? On est tous d'accord qu'un ventre vide égale gourmand trois fois. Exact. Ouais, c'est ça. C'est moi qui écorché un tout petit peu. Alors, merci à Chilalo pour les topos sur les prix au marché. Oh! Car pour avoir un physique comme celui de notre Pic Dagou version humaine, Mr. John Eke et Kilimanjaro au fond de la classe, il faut aussi bien manger. Vraiment, je suis devant mon écran avec mon smoothie de Yannick Smoothie. Et je prends plaisir à entendre mes écrits au son de la voix de celle-là même qui représente l'océan océanique du globe. Attention, que Dieu vous fortifie et vous garde signé. À la grâce. Oh! Merci la grâce. J'ai adoré tout simplement. Alors, il y a un autre message, ça a commencé par pleuvoir déjà. Bafoutouloulou, hein, les questions. Inspiration. Alors, la Miss Togo 2022 est vraiment une reine humble et adorable. Exactly. Mais je voudrais lui demander où est-ce qu'elle a puisé cette force pour rester aussi humble avec cette position de Miss Togo. Première question qui vient d'un téléspectateur. On va garder ça bien au chaud. Hein. Salut tout le monde. Salut. Je vois que vous êtes mignons sur le plateau. Vraiment, le Saint-Esprit est en action. Hein. Amen.
Mais pourquoi avez-vous chanté seul? Veuillez m'inviter aussi. On a chanté pour vous envoyer à la maison. Hein. Merci infiniment. Alors aujourd'hui, il y a trop de sourires sur vos lèvres. Que quelqu'un depuis sa position dise Alléluia. Alléluia, amen. C'est pour rendre grâce à Dieu. Dieu, il est immensément bon, franchement. Et rien que le souffle de vie pour nous, c'est une grosse bénédiction. Et c'est pareil pour vous également. Et ce matin, il a enlevé tout accident sur la route de quelqu'un. Amen. Il a enlevé la pauvreté sur la route de quelqu'un. Amen. Il a enlevé le chômage sur la vie Amen. De quelqu'un. Il a enlevé la douleur sur la vie de quelqu'un. Amen. Il a mis l'enfantement dans ta vie, ma chérie. Il t'a mis de la richesse dans ta vie. Tout ce que tu veux, il t'a donné. Yesu ba me nu bebe melagbelo. Yesu ba me nu bebe na melagbelo. Merci. Bien, alors, tu es ravissante, Océane. Merci infiniment. Et maintenant, nous allons célébrer les Apollos et les Ananis. Océane, hein. S'il te plaît, si tu me le permets. Voilà. Kélopi. On va baisser un peu parce que Miss Célia ne prend pas la parole en début d'émission au hasard. Madame. Alors, tout d'abord, hier, c'était le 24 janvier, la journée internationale de l'éducation. Oui. Mmh. Voilà, et donc, nous sommes à la 5e édition. Et l'UNESCO a pensé à toutes ces filles et à toutes ces femmes qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, qui n'ont pas le droit à l'éducation. Donc, c'est un fil qui se fait. Tout le monde peut prendre la parole, tout le monde peut faire une vidéo pour dire ce qu'elle pense à propos de ce sujet-là. Donc, j'ai pensé à ce que la pause aussi en parle. Et le thème de cette 5e édition, c'est investir dans l'humain et faire de l'éducation sa priorité. Ah. Sans oublier que dans le monde entier, nous avons plus de 241 millions de jeunes qui ne vont pas à l'école et plus de 771 millions d'adultes qui n'ont rien en commun avec l'alphabétisation. Oh. Donc, il est très important ce que nous fassions de l'éducation une priorité. Nous, nos parents ont compris très vite, ils nous ont envoyés à l'école et aujourd'hui, je crois très bien que c'est cette éducation-là qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui, d'être cette personne-là que nous sommes devenus aujourd'hui. Alors, si quelqu'un à la maison, si un parent me suit, c'est le moment d'envoyer ton enfant à l'école parce que l'éducation, c'est une priorité. Merci l'éducation, beaucoup. C'est une priorité. C'est et c'est d'ailleurs un droit parce que dans les droits, il y a le droit à l'éducation. Ouais. Donc voilà, il faut le comprendre ainsi simplement. Merci beaucoup pour ce clin d'œil. C'est très important d'en parler et merci à tous ceux qui ont commencé par nous envoyer des messages. On l'avait commencé, entre-temps, on ne vous a pas eu, les gars. Ou alors, c'est peut-être nous qui n'avions pas affiché vos profils. Vous pouvez nous envoyer votre photo. Non, prénom, titre, d'où vous nous écrivez également, une petite description de votre personne, également de votre vie professionnelle et on se chargera avec beaucoup de plaisir de vous diffuser dans cette émission. C'est comme ça que les gens ont trouvé des maris en relation à distance, je vous dis en même temps bien. Alors, salut tout le monde. Salut. Vous êtes magnifiques aujourd'hui. Merci. Il faut rendre grâce à Dieu. Merci pour votre prestation. C'est Honoré depuis Sokodé. Merci Honoré. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes Mimi, je passe par ce canal pour dire bien de choses à la grande famille Gaffan et c'est de la part de Serge Quenom depuis le Bénin. Merci Serge. Salut la pause. Salut. Vous êtes tous belles et beaux et vraiment j'adore la Miss quoi. C'est à cause d'elle que je vous écris bonne émission. Mes amours. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Océane là, tu as lu mon message. Oui, applaudissez. Super. J'ai lu votre message pour de vrai. Et maintenant, on va les célébrer. On descend ici, on accueille monsieur le pasteur, s'il vous plaît. Wow. Non. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, le 25 janvier, nous célébrons les Ananis, les Apollos et les Artémas. Alors, tu es sensible? Intéressant et intelligente. Tu organises habilement tout projet visant à assurer ton succès. Attention. Ah, alors tu es joyeux et sociable. Et tu es assez original. Alors, tu aimes la littérature et tu aimes discuter. Alors, tu aimes débattre.
Alors, tu as de bonnes intentions et ton comportement est centré sur la réflexion et la contemplation. Victor Hugo, ah, pardon. Alors, tes pensées et tes sentiments sont très vivants. Alors, tu es sensible aux relations sociales. Alors, la platine et l'aluminium sont tes métaux chanceux. Améthyste et ambre sont tes pierres de naissance. Tes numéros porte-bonheur sont le 3. Tout chaton. Le 9, ah, cirque, 17, le 4, 25 André, et le 27. André, ah, cirque, oh. Non, André. Ouais. Alors, vos couleurs porte-bonheur sont le bleu vert. Le bleu marine. Et gris. Alors, le bleu vert qui est la paix, la divinité, l'union, le rêve et l'évasion. Alors, le bleu marine qui est une couleur textière dominante, chaude. Et le gris qui est symbole de neutralité, d'élégance, d'autonomie, de tempérance et futuriste. Alors, ton jour de chance est le samedi. Ok. On y va. Alors, ta fleur porte-bonheur est l'orchidée. Alors, ta plante porte-bonheur est le serbe. Et ton animal porte-bonheur du jour? Alors, l'animal est le manchot. Merci beaucoup. Alors, un coucou, comment allez-vous? Alors, je ne vous suis pas car je suis au cours, mais à chaque fois qu'il sonne 11h30, je me rappelle de vous. Bonne émission. Merci beaucoup. Mais je fais tout pour suivre la rediffusion dès l'aube. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment très, très sympathique. Voilà. Alors, on va partir avec la vidéo des photos des anniversaires. Et quand on va revenir juste après, on va laisser l'introduction au chef du Verbe, au patron du Verbe, à l'inspiration incarnée, M. Mantan Obélan, pour nous parler justement de notre Miss aujourd'hui. Image, bonne fête. Thank you.
besoin non. Hey, n'y a besoin non. Les gadis, n'y a besoin non. Jackie et le gadis. Hey, n'y a besoin non. Les gadis, n'y a besoin non. Adieu et le gadis. Hey, bah, n'y a besoin non. Les gadis, n'y a besoin non. Elle est toute belle, toute jolie, toute mignonne. Femme belle, belle, femme travailleuse, femme amoureuse, femme nourrice, femme battante. Eh? Nye me nye besoin non, le gadi, nye me nye besoin non. Misse le gadi, nye me nye besoin non, le gadi, nye me nye. Elle est dotée d'une grande capacité d'estime de soi, de grandeur d'esprit. Elle a une tête calculatrice motrice qui coupe plus vite que l'exponentielle. Le fleuve de bonté masculine, torse des profondeurs de la lagune de baie, Djegbele Sivié, enfant des champs de sel, sous les projecteurs. Oui, la pierre qu'a refusé les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Elle est comment? Elle est toute belle, elle est toute jolie, elle est toute mignonne. Nye me nye besoin non, le gadi, nye me nye besoin non. Jackie Yellow. Nye me nye besoin non, le gadi, nye me nye besoin non. 22/12/2021, sous les tentes de l'hôtel de février, une lumière touche à sa vie. Un jour s'est levé dans sa vie, hissé au trône de l'élégance togolaise jusqu'au 10/12/2022. Aujourd'hui, directrice de projet, étudiante en finance banque pour maîtriser les accords de Bâle 1, 2, 3. Bien sûr, elle se nomme Adjo Jacqueline. Adjo et hey, n'y a besoin non. On va se lever pour l'accueillir. Jacqueline les gars. Hey, n'y a besoin non. N'y a besoin non. Elle est bien arrivée là. Elle est très bien arrivée. Alors, je rappelle rapidement que grâce à cette grande dame, le comité Miss Togo a eu droit à la communication gratuite de tous les Togolais. Ça, c'est vrai. Durant toute une année. Ça, elle mérite vrai. Des ovations. Oh wow, elle est on va envoyer la facture au nom de tout le Togo, donc au comité, pour qu'on puisse vous rembourser. Voilà. Parce que ça a été un travail, mais vraiment non intentionnel, mais qui a porté son fruit plus que toutes les autres communications. Bien exactement. Sûr. Bien bonjour, sûr. Notre Miss. J'ai promis rester derrière la box de Tilalo pour oui. qu'on ne sente pas que malgré mes 28 cm, je suis toujours en bas. Là-bas. Magnifique. Est-ce qu'on peut applaudir cette wow. magnifique femme pour nous? Comment ça va? Ça va très bien. Alors, première chose, première question, c'est venu d'un téléspectateur. Oh. Comment tu fais pour garder le sourire à travers tous ces problèmes qui viennent tous les jours? C'est pas évident, hein. Hier, tu étais juste Estelle, et après, le lendemain, tu es devenue Miss Togo, quoi. Voilà. 2022. Comment t'as géré? Ça explique tout. Hein. C'était difficile, vraiment difficile, je vais pas vous mentir, mais il y a une phrase aussi qui dit, quoi qu'il arrive, il faut toujours sourire à la vie. Et à chaque fois que je veux plonger, je me dis, quand on me voit en même temps, on me décrit par mon sourire, en fait. Je suis toujours souriante. Même si tu m'insultes, je souris devant toi parce que... Elle est trop mignonne. Je souris devant toi parce que je me dis, ce sont des futilités et je dois avancer. Du coup, j'ai pas de temps à perdre sur ce que les gens racontent sur moi. Autant je me dis, j'avance et puis tout le monde ne peut pas t'aimer, en fait. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Si tout le monde t'aime, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Il y a des gens qui doivent t'aimer et d'autres non. Et parfois aussi, c'est que tu dois t'apporter... De quoi te construire. Voilà. Magnifique. Estelle, assieds-toi. Assieds-toi.
d'accord oui. convenablement. Merci. Menteur ambulant, il a juste déroulé ton profil. Il a parlé de ta formation de base. Nous, aujourd'hui, on va découvrir ce que tu veux devenir au final. Parce que moi-même, j'ai fait bac, j'ai de la j'anime aujourd'hui. Donc, il n'y a pas toujours, de lien direct entre oui. les choses. Mais on a une seule et unique question avant de commencer. Est-ce que tu nous autorises à poser toutes les questions qu'on a? Oui. On peut poser les questions. Oui. D'accord. Mesdames, vous êtes autorisées à vous asseoir maintenant. Bien. Alors, on va commencer avec... Non, vous restez debout. Ce n'est pas un problème. On va passer la première parole au tout premier garçon. Enfin, ce n'est pas le premier garçon, mais tu es le premier garçon à poser des questions directement à notre Miss oui, aujourd'hui. C'est M. Yannick Smoussi. On va passer avec le jingle de Yannick et on revient juste après pour l'attraper avec ses questions pour la Miss. Attention. Une mauvaise réponse, ça donne 10 000 à la pause. On a toujours fait comme ça, en fait. Donc, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Bien. Jingle. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline, plus 228 92 36 68 25. Non, viens, descends, viens au milieu de la scène, comme ça tu pourras bien poser. Ben, bien sûr, quand même là. Oh. Ah oui. J'ai une question à adresser à Estelle. Estelle, quand tu regardes Yannick, est-ce que tu sens qu'il vient juste de rentrer de Marseille? Non. Est-ce qu'il y a... Tu ne sens pas, non? Tu vois? Une semaine, il y a des gens qui sont bien. Allez, Yannick. Ok, bonjour Estelle. Bonjour. Bonne arrivée chez nous. Merci. Et tu as regardé tout à l'heure le jingle qui est passé. C'est intuitif et fiancé. Donc, logiquement, dans ma rubrique, il est question de nourriture et tout ce qui a trait avec la santé, voilà, le repas et tout ça. Et ma toute première question est de savoir, Estelle, quelle est votre routine alimentaire? Nos routines alimentaires. Oui. Ah, oh. J'adore. Le petit déjeuner, comment Imolo? Zogbon? Non, je ne bois pas bouillie. D'accord. Je ne bois pas. Disons que le matin, je prends du thé, varié. Parfois, quand la pâte d'hier reste, je mange aussi. Ah, ça, le bonjour. Mais sans couper. Je vous dis que c'est la miss du peuple. On se retrouve en fait dans ses manières. C'est ça en fait, c'est authentique. Le sokoumé là, tu mets directement dans la marmite. La marmite. Sur le feu. Chouille. C'est ça. Ça déjà, c'est une bonne chose. Deuxième question. Alors, pour être miss, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et il faut rentrer dans certaines règles. Et dis-moi, qu'est-ce que toi, tu as fait réellement côté du genre? Bon, c'est vrai, parce qu'il faut des mensurations, je pense. Et du coup, qu'est-ce que tu as chez toi interdit? Oui, par exemple, interdit dans tes repas pour te permettre de pouvoir postuler peut-être à ce concours. Oh, disons rien. Rien du tout. Parce que je peux manger, je ne grossis jamais. Ah ouais? C'est Dieu donné, quoi. C'est tout. Je prends juste un peu de forme comme ça. Je ne dépasse pas. Mais je peux tout manger, mais... Ah oui. Non, parce que si la loi a essayé de faire le contraire... Mais ça n'a pas marché. Et pour finir, c'est quoi ton repas préféré? La pâte avec Adémé. Ah. La pâte avec Adémé. Très bonne réponse. Donc, on va poser une question diète tout de suite. Kilalo, viens, s'il te plaît. Viens. Donc, on va mettre les deux ensemble, d'accord. Oui. Merci déjà à Yannick pour les questions. D'accord. Il ne faut pas que je te pousse avec... Oui, parce que t'as pris ma main, j'ai senti. Alors, Chilalo, pour faire de la pâte avec Adémé, choisis-moi un budget que tu soumets à notre miss pour qu'elle aille au marché avec. Voilà. D'accord, bah, bien avant, tout le Jacqueline Tosu, capte. Yeah. À la fin, mais... À la fin. J'espère que tu vas très bien. Je vais très bien. D'accord. Alors, avant de te poser la toute première question, moi, j'aimerais savoir, depuis la nuit du 10 décembre 2021, où tu as été sacrée Miss Togo, dis-moi, de ce jour jusqu'aujourd'hui, combien de fois tu t'es rendue dans un marché?
Quand je dis marché, je ne parle pas des supermarchés. Hein. Le marché ordinaire, le marché du quartier. Je vais te citer les marchés. Bolankome. Bolankome, Basime. Hedjelanaoué. Asigame. Basime. Adaulato. Asie. Adaulato. Zéro. Depuis que tu as été élu jusqu'à ce jour, tu ne t'es plus rendu dans un marché. Non. Il est arrivé que j'étais allée au grand marché. Mm-hmm. Mais c'était pour acheter juste quelques trucs et revenir. Mais je me suis sapée. Non, non, okay. Alors, je m'attendais pas à ça. T'as vu comment qu'elle a fait? Mais je me suis sapée. D'accord, maintenant, je reviens à la question principale. Oui. Comme tu as dit que tu aimais bien manger la sauce d'Adémé, bon, aujourd'hui, si moi je te donne 1000 francs de me faire une très bonne sauce d'Adémé, bon, qu'est-ce que tu peux acheter concrètement avec cette somme pour me faire une très bonne sauce? Et puis la pâte aussi est dedans. Oui, hein, 1000 francs. Hein. OK. Déjà, Emma, quoi que Melima, 150, ça peut suffire pour toi seule. Mm-hmm. Il reste 850. Mm-hmm. Adémé, 100 francs. Mais Adémé, 100 francs, c'est pas beaucoup. Hein. Mais toi seule. Non, il n'y a plus Adémé, même Adémé 100 francs. Hein. Ils font les tas de 300 francs. Oui. OK, on va aller sur 150. Mm-hmm. OK. 150, l'enjouin, 100 francs. BBC. Bio. On va laisser un peu de bio. 100 francs. Ok. Oui, mais c'est bio. Oui. Là, déjà, on fait le compte. Mm-hmm. On a le, pour la coumée, la 150. 150. Et mal avec Agbé, la 150. Il y avait ce bio 200. Maintenant, Adémé, 150. Ça fait 350. Oui. Ok. Il reste combien? À quoi la coude d'eau de côté? 650. Ok. Akpala ya idesi ya melo kala mi gbalo ya yeme. Akpala susu kala mi ta. Akpala. Yo ble ula. Ma ja mi je san fa ke mu e. No el la yam te ye mo fa bana mi amu ye mo de se la do nkume. On a pas encore acheté poisson hein. Doivi. Oui, Doivi peut aller. Doivi, il y a de la voiture où l'on vient. Il y a juste Doivi. Avec à toi, Zidra, demain. À toi, Zidra, demain. Mondialisation. Estelle? Bang, 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 bang. État-major. Et cette décision, c'est quoi les audios? Elle est contre 550. À 4 les foulots. À 4 les foulots. Et j'ai l'aimé. À 4 les foulots. Il y a cube aussi, cube dedans. Hein, ok, à 400 francs. Et quoi, 450? Et magie poulet des cas. Oh non, là c'est bien André. Et j'ai tcha des cas. Ekpono, ejekpono. Ekpoto 400. Ekpoto 400. Mais là, le mabien, c'est le poto gana, ça doit ouvrir. Oh, mazo. M'a dit, akpala 300 tori. Ekpoto 100 francs. Tu vas pas mettre un. Akpala, qu'elle est pas lui, que Boba me. Akpala, non, akpala 300, poto 100 francs. Ekpoto 100 francs. Adi, idiota. Pas plaisir, ça voulait quoi du boulot? Ya, ben voilà. Merci. Non, mais elle a quand même trouvé, elle a utilisé un budget de 1000 francs pour te faire la sauce et c'est même pas évident, hein, la pâte. Elle a même prévu le charbon pour le faire. Bravo. C'est juste que Estelle, aujourd'hui, dans tous les marchés qu'on a cités, là, nulle part, tu vas voir ces prix-là pour les dents. Donc, tu vas... En plus, de toute façon, tu te... Je vais augmenter. Non, attends, mais la manière dont tu te sapes pour aller au marché, ils vont te frapper hein, si tu viens avec le prix. Mais bon, c'est déjà super bien. Bravo. Elle s'en est bien sortie. Alors, maintenant, on a Miss Célia qui a ses 10 questions choc pour toi. Oui. Miss Célia, okay. On y va rapidement avec le jingle de Miss Célia et juste après, quand on va revenir, c'est 10 questions. Normalement, c'est 10 questions pour 10 secondes par question. Donc, ça va aller très, très rapidement. C'est bon? D'accord. Bien. Jingle. Miss Célia. Bonjour, Estelle. Comment tu vas? Alors, la première question. Comment te décrirais-tu en 5 mots? En 5 mots, je suis souriante,
sociable, intelligente, ambitieuse et audacieuse aussi. Okay. Wow. Souriante, sociable, intelligente, audacieuse et ambitieuse. Magnifique. Alors, il t'est demandé de travailler sur un projet avec deux Miss Togo. Oui. Qui choisirais-tu? Deux Miss Togo avec lesquelles tu auras plaisir à travailler sur un projet. Lesquelles tu choisis? Je vais choisir les deux. Tu choisis que les deux. Les autres, ne, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. C'est juste un échec. Ouais. Hein, bien, sûr, pas... bien sûr. Miss Aïda et Miss Ishabatu. Miss Aïda Yombo et Miss Ishabatu. Après, c'est normal. Hein, c'est les deux avant bien, toi, quand même. Oui. Hein. Donc, elles sont restées entre elles. C'est voilà. Mignon. Okay. Alors, accepterais-tu un cadeau de la part de ton ex tout en étant en couple? Non. Pourquoi? Elle a tout fait pour amener cette question-là. Merci, okay, ma Miss Togo. Est-ce qu'elle a dit non, elle n'accepterait pas un cadeau de son ex une fois qu'elle est mariée. Et si tu n'étais pas mariée? Ça dépend du cadeau. Ça dépend du cadeau. Ouais. Bon, maintenant, si tu es mariée, il veut te donner un cadeau, tu ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que pour le... Et d'abord, c'est... ça ne donne pas du respect à mon mari. Ah. Et quand... Attends, elle n'a pas fini, elle n'a pas fini. Et aussi, quand on dit ex, c'est vrai qu'après, l'amour, ce n'est pas la guerre, mais autant mieux, chacun continue sa route. Waouh. Wow. Dis donc. Tout de suite, c'est qu'elle a de la suite dans les idées. Oui, franchement, et cette maturité-là, c'est extraordinaire. Si les gens, ils en ont 50, je te dis. Ils ont 50 piges, mais ils ne peuvent même pas raisonner comme toi. Et je te dis, cette maturité, elle est juste extraordinaire. Wow. Vous comprenez pourquoi l'artifice n'est pas le plus important? C'est qui on est réellement qui est le plus important. Qui est le plus important? Vous aviez déjà imaginé qu'elle aurait répondu aussi tac, tac, à la question-là. Hier, on a vu, on s'est mélangé ici. C'est Estelle qui est venue couper court au débat. Voilà. Maintenant, on sait qu'on ne reçoit plus de cadeaux des ex. Terminé. On continue. Alors, quel a été ton plus grand regret? Mon plus grand regret... Sur le parcours, Miss Togo? Oui. OK. Non. Il n'y en a pas eu. J'ai dans la vie en général. Dans la vie en général, c'est d'avoir connu une fille. Ah. Elle a fait quoi? On en parle? Non. Alors, elle a dit c'était ma meilleure amie et j'aurais préféré ne pas l'avoir connue. Wow. Oh là, okay. Ah, elle est sensible. Par oui. Contre. Là, elle est sensible. Hein. On va. Je sais que vous avez ouvert les oreilles pour. Vous avez ouvert les oreilles pour savoir c'est qui la c'est fille. C'est qui la fille là? La fille même s'est reconnue, pim, balle oui. Perdue, c'est allée vers toi. Elle n'a pas fait exprès. Il faut être de bonnes amies dans la vie. Et puis ça là, c'est fini. Hein. Maintenant, tu as le même statut que son ex. C'est bon. Allez, on continue. Oui. Alors, on te donne 25 millions pour une journée. Que feras-tu? 25 millions. Ça peut acheter une maison, non? 25 millions peut acheter une maison, oui. Ouais. Oui. T'es déjà à quoi? À 15 millions? Ouais. J'achète une maison. Oui. Un terrain. Encore? En plus? Oui. Donc elle achète une maison à 15 millions et tu veux acheter le terrain en ville ou bien tu rentres au village? Village, c'est mieux. OK, d'accord. Disons 5 millions. Au village, tu vas avoir le terrain autour de 500 000, 1 million. Ouais. Le max, c'est 1 million 500 000. Et le reste, je vois. Ça dépend du village. Parce que tu achètes un lot. Attends. Si c'est 1 million. Parce que ça dépend du village aussi, parce que à Founoukpa, c'est une ville maintenant, en fait. C'est pour ça que je pose la question. Pas, on n'achète plus de terrain. C'est quoi ton village? Adjometi. Adjometi, on est dans la localité de... Lomé. Ebé. Tu es ici. Ebé, même cas de l'eau, là, 5 millions, là, ne va pas suffire. Pas suffire. Là. Donc, c'est mieux, on va couper sur l'argent de l'achat du terrain. Mais les deux choses, c'est que tu achètes une maison toute faite et tu achètes un terrain à côté. Oui. D'accord. OK. Parfait. Quel est ton type de mec? Un télo ou riche? Ou les deux?
Type de mec, intello ou riche? D'abord, moi, je veux la forme, le physique et tout. Mais on va en venir. OK. Intello cool de taille, on ne voit pas. Il n'y a pas pauvre dedans. Non, c'est il n'y a pas pauvre dedans. Yeah. Oui, mais il peut être pauvre intello, non? Tu veux pourquoi tu veux qu'on parle maintenant? Estelle? Riche. Riche? OK. Et il doit être comment physiquement? Voilà. Bon. Plus court que toi? Est-ce que ça peut passer, ma bien c'est là? Ça peut passer? Apparemment, non. Disons que la taille ne compte pas pour moi. Ah ouais. Il peut être un peu plus court que toi. Oui. Il peut être court et puis rond aussi en bas. Je viens? Ok, la question. J'adore. Mon taille est court. J'adore cette fille, c'est pas possible. Pas d'accord. Donc, on le prend comme ça. Elle a dit la taille ne compte pas. La taille ne compte pas. Mais il doit être riche. On veut savoir ce qu'elle a dit. Oui, mais si c'était à dire à tout le monde, elle allait prendre le micro. Hein. Voilà, hein. Bon, d'abord, laissez-moi vous dire que la taille ne compte pas. Mais il doit être riche. Pourquoi il doit être riche? Pas forcément. Pas forcément. C'est parce que. Elle a dit riche et intello. OK. Pas forcément. Mais un peu qu'il doit aller à l'école quand même, un tout petit peu. Un peu. Un peu, hein. Ou genre, tout, bac ça. Seul suffit. Dangoté n'a pas été à l'école. Oui, bien sûr, aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul Dangoté au monde. C'est plus même déjà. Oui. Un peu plus. Un peu plus, d'accord. Elle n'est pas beaucoup exigeante. C'est... En fait, c'est que quand tu donnes les réponses, tu nous fais nous sentir normaux, en fait. Parce que les gens, ils ont tellement tendance à les lever les standines. Je veux un homme riche, il doit avoir le doctorat, alors qu'elle n'a maintenant même pas le sopé, et ce genre de choses. Là, on se sent bien. Là, je te dis, je vais me taire. On continue. Alors, Estelle, trois couleurs que tu n'aimerais pas porter. Trois couleurs que je n'aimerais pas porter. Je ne sais pas. Elle porte toutes les couleurs, notre Miss? Oui. Okay, tes couleurs préférées, alors? J'ai pas de couleurs préférées. Je suis arc-en-ciel. Elle est arc-en-ciel. Okay. Hein. Elle aime toutes les couleurs. Tu vas avoir une belle amitié avec mon fils. Il adore l'arc-en-ciel. Ouais. Alors, le pire moment de ton mandat? Le pire moment de ton mandat, quelque chose qui t'a vraiment touché quand tu étais en mandat. Parce qu'elle est toujours mise en mandat à continuer les actions. Ce sont les critiques. Les critiques. Est-ce que tu as déjà lu une critique? Tu as déjà lu une phrase toi-même? Tu es tombée dessus comme ça, tu as lu un truc et tu t'es dit, tu as passé la nuit blanche, quoi. Passé la nuit blanche? Non. Ah, peut-être que tu t'as mise par être en sommeil. Ben oui, j'ai déjà lu. J'ai déjà lu. Ça t'a quelque fait chose que la personne avait écrit. Je me suis dit, tu ne me connais même pas. Et tu dis des choses comme ça sur moi. Oui. Ça t'a fait couler des larmes. Je suis sensible. Elle veut me dire. Elle dit, je suis sensible. Je suis sensible, vraiment sensible. Mais bon, il n'y a que dans cette vie, quand tu montres trop tes faiblesses aux gens, les gens se permettent de marcher sur toi. Oh, wow. Du coup, je préfère rester forte devant tout le monde et pleurer dans la chambre et sortir sourire. C'est elle qui nous donne de l'éducation bien aujourd'hui. Hein. C'est elle qui nous montre, en fait, c'est quoi avoir un mental d'acier. Oui. C'est fou, quoi, parce que tu la vois, elle est là, toute... tu as l'impression qu'elle est fragile. Toute douce. C'est comme une porcelaine devant toi. Mais en réalité, elle n'est pas si douce que ça. Bien sûr. Même dans sa manière d'être calme, elle peut te briser, toi qui es fort, en fait. Parce qu'il suffit qu'elle ouvre la bouche et qu'elle te sorte une phrase, tu es déstabilisée. Elle est préparée, en fait. Elle est loin de Dieu. Je savais que l'Esprit Saint allait faire quelque chose. Tu comprends ce pourquoi je dis les choses comme ça. Tu vois, non? Bien. Alors, tu as eu un pire moment, forcément, tu dois avoir un meilleur moment de ton mandat. Ouais. Quel a été ton meilleur moment? Dis vrai, quand tu as pris la vie en main. Oui. Ça, c'était vrai. Le meilleur moment, c'était mon couronnement. Hier même, je regardais encore la vidéo. J'étais dans les coulisses quand on m'avait appelée. Je me disais que non, que ce n'était pas moi. Et on m'avait dit, passe ici. Passe ici. Donc, je me revois, Aïda, mettant la couronne sur ma tête. Je me dis, j'étais venue pour gagner, mais
Je ne m'attendais pas à gagner. Je ne m'attendais pas à gagner. Du coup, c'était mon meilleur moment. Alors, pour finir, Estelle est encore à prendre? Non. 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 Il faut même... Vous comprenez, moi, je disais... elle n'est pas un cœur à prendre. Donc, elle n'est pas un cœur à prendre. Donc, voilà. S'il y a des gens qui étaient en train de tomber amoureux, rebroussez chemin. Rebroussez chemin. Rebroussez chemin. Et les ex d'Esther, c'est maintenant vous allez sortir les papiers mouchoirs. Parce que vous vous rendez compte que vous avez perdu une perle rare. Attention, hein. Et l'actuel d'Esther, j'espère que ça va être le dernier aussi. On attend que tu envoies les choses de la dot. On ne consomme pas au hasard. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut venir nous voir et on va faire ce qu'il faut faire. Bien. Déjà, merci. À cœur ouvert. Miss Eve, on enchaîne avec toi. Tu as aussi des questions à poser à notre Miss. Bonjour, Miss. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Je vais bien aussi. Alors, première question pour moi, c'est pourquoi avoir choisi un concours de beauté et quels ont été les objectifs atteints? Disons qu'avant, j'étais mannequin. Okay. Du coup, j'aime les projecteurs et tout. Mm-hmm. Je m'étais dit, le monde de Miss et mannequinat, c'est un peu parallèle, mais il y a que j'aime aller voir au fond. Mm. Quand tu entends parler de Miss, il y a des choses qui se racontent. Mm-hmm. Je me dis... Je vais aller voir. D'accord. J'ai toujours voulu être Miss, mais j'étais complexée avant. Mm-hmm. Du coup, ça m'avait pris du temps de me décider finalement à participer au concours parce que je n'avais pas encore travaillé ma confiance en soi. Mm-hmm. Et c'était vraiment important pour moi parce que j'aime pas qu'on se moque de moi gratuitement. OK. Donc, je m'étais préparée depuis... Et un jour, comme ça, je me suis dit, je suis prête, je vais aller voir ce que ça va donner. Oui. Et même si je ne gagne pas, on dit qu'on ne perd pas deux fois. Donc, autant d'aller faire de nouvelles connaissances, apprendre un peu plus sur d'autres choses et surtout garder des contacts. C'est un peu ça qui m'a poussée dans le monde de Miss Togo. D'accord. Alors, deuxième question pour moi. On associe souvent l'image de Miss Togo 2021 à deux mots. Simplicité et naturel. 2022, pardon. Alors, est-ce que c'est simplement un concept ou c'est vraiment votre marque d'identité? Non, je suis comme ça. D'accord. Disons que mon mandat, je me suis dit, je ne vais pas montrer ce qui n'existe pas. Comme je l'ai dit, j'étais mannequin, j'étais un peu dans le domaine et j'ai vu ce que ça fait qu'on montre quelque chose d'autre sur les réseaux. Et par après, tu découvres autre chose. Mmh. Il y a des gens, tu vois sur les réseaux, tu es là, tu t'agites, mais au fond, tu es mieux qu'eux. Donc, je me suis dit, autant de montrer tous les bling-bling, autant montrer aussi les mauvais côtés et montrer à toutes ces jeunes filles aussi que les réseaux, ce n'est pas seulement ce qu'elles pensent. Donc, autant se forger elles-mêmes et devenir ce qu'elles veulent plutôt que de chercher à... être ce que l'autre est. C'est un peu ça. Alors, dernière question pour moi. Quel est votre styliste togolais coup de cœur? Faut pas me créer problème. Le styliste togolais coup de cœur. Déjà, de base, elle est mannequin. Donc, elle a dû travailler et collaborer avec plein de stylistes. Mais tout de go, si Estelle, on vous donne un tissu ou un pagne tout de suite et on vous dit, choisissez quelqu'un qui va vous habiller là tout de suite, sans réfléchir. Mais quand on dit de le choisir, c'est pas forcément le choisir parce qu'il coûte bien, non. Mais c'est surtout parce qu'il est disponible, exactement. Il est gentil, non, et il vous fait vous sentir vous, il connaît également votre style. C'est lequel qui va remporter la couronne? Ça sera Enero. Enero. C'est lui que j'aime bien. Merci beaucoup, Miss. Enero, tiens le bas. Bravo, merci pour cette question. J'ai une question avant de te faire rentrer dans le carré cacophonique. Là-bas, on pose des questions des téléspectateurs. Moi, je voudrais que tu me dises aujourd'hui ce que l'aventure Miss Togo t'a apporté concrètement. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, ça m'a apporté de grandir plus en maturité, de noter
pu être la jeune fille que j'étais, mais d'être une dame. Mais aussi, ça m'a ouvert des portes sur la vie. Et ça m'a beaucoup appris aussi. Donc, j'ai gagné beaucoup dedans. Elle a gagné beaucoup dedans. Merci beaucoup, Miss Estelle. On va partir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Alors, mademoiselle, félicitations. Merci. Parce que je vous trouve très naturelle et que vous avez l'esprit de gagne. Vous êtes une femme de défi. Félicitations. Merci. Alors, on a reçu beaucoup de personnalités ici. Hein. Quand on leur pose la question des sous-là, ils nous disent tous qu'ils vont faire des œuvres caritatives, nanani. Elle a pensé. Mais vous, vous avez été très pragmatique et réelle. Ouais. Félicitations encore une fois. Elle a dit ce qu'elle voulait. Ouais. Alors, ma question, ça concerne votre détracteur Coco Dépé. Non, c'est Coco Dépé, parce que je ne prononce pas bien souvent des noms qui ne me sont pas familiers. Alors, je crois qu'il y a un téléspectateur qui a rejoint ta question. Si ça ne gêne pas, tu peux juste patienter comme ça. On va la poser une fois. Je vais poser la question. Si ça va dans le même sens, c'est bon. Non, ou alors tu la poses et on attend de répondre lorsque la question va venir. Vas-y. On l'a reçu ici sur ce plateau et il nous a expliqué en fait le pourquoi. Ses intentions derrière. Ses intentions. Et après, on lui a demandé de demander pardon direct. De présenter des excuses. À la Miss Togo. Est-ce que vous avez reçu ces excuses-là, voilà, de vrai ou bien vous n'avez jamais entendu parler? Non. Jamais. Okay. Donc, maintenant, s'il se mettait devant vous maintenant pour présenter ses excuses, vous allez accepter? Disons que moi, je lui en veux pas tout d'abord. Mm-hmm. Du coup, c'est quand on en veut à quelqu'un qu'on accepte ses excuses. Ou pas, donc, ouais. Je me dis, de la manière dont les gens peuvent dire du bien de toi, de cette même manière, les gens peuvent dire du mal de toi. À toi de prendre ces critiques pour que ça soit constructif. On va passer le micro. Donnez-moi un micro, s'il vous plaît, rapidement. Si tu te mets Kenopi. Voilà, c'est bon. D'accord. Voilà. C'est bon. Donc, elle a dit déjà, de base, elle ne lui en veut pas. Oui. D'accord. Elle ne lui en veut pas. Si ça se trouve, en fait, toute cette agitation sur les réseaux, elle dort tranquille chez elle, elle ne se sent pas concernée du tout. Ce sont les gens même qui le bangoudi, il y a le bangoudi. Et elle y est pour... elle y est pour rien, elle ne lui en veut pas. Donc, ce n'est même pas la peine qu'il veuille s'excuser pour quoi que ce soit. Et puis, disons, pour moi, ça a été quand même la Miss qui a fait beaucoup de tollé, dont le nom a plus circulé. Ouais. Et tout à l'heure, Mentor l'a dit, juste au terme de sa présentation... Ouais. Miss Togo a gagné en termes de communication. Ouais. Non, le comité a le gagné. Le comité a gagné grâce à elle. Grâce à toi. Oui, absolument. Vois. Voilà. Et donc, ils vont te payer la facture. Ah, oui. On prend 10%. Merci, Estelle. Alors, il y a également des messages qui sont arrivés. Je vais les lire rapidement. Des cœurs pour la Miss Estelle. Merci beaucoup à vous. Océane, quelle jolie fille. Elle est bonne en tout. Est-ce que tu peux me donner le numéro? Vous comprenez. Hein? Ah. Elle n'est plus encore apprise. Moi-même, je bataillais depuis que le truc. Non, c'est le numéro. Tout le reste, on a appris. C'est le numéro seulement. On ne peut pas prendre. Alors, vous êtes sublime. Je vous apprécie. Il y a de l'ambiance sur le plateau. C'est Estelle de Kégué. Donc, bisous à ma seconde Estelle. Très simple, elle est. Et j'ai déjà eu à la rencontrer à l'hôtel Onomo. Ton affaire de courte. Ronde là. Ah bon, ça, j'ai pas compris, mais bon, je sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Alors, elle t'a dit, mon gars est. Vous êtes trop méchant, c'est pas bon. Hein. Elle a pas dit ça, en fait. Vous avez cru qu'elle a dit ça, mais elle a dit plus que ça, que vous n'avez pas entendu. C'est ça aussi. Il faut faire attention. Le papa actuel n'est pas une bonne chose. Hein. Alors, merci, mes chers, pour l'accompagnement. Je souhaite plus de chance à la Miss. Merci. Vraiment, elle n'est pas que Miss, mais elle est très intelligente et innocente aussi. Exactement. Hein. Elle est très posée. Alors, elle est très belle aujourd'hui, dites à la Miss qu'elle est magnifique, souriante. C'est Joël Bataba depuis Lomé. Merci beaucoup, Joël. Allez, maintenant, on va y aller avec le jingle de Qui fait quoi sur le net, Monsieur Obenade. Et quand on va revenir, elle sera installée ici. Instinction des Lumières, maintenant. Bien. Alors, voilà, Miss Esther, en toute humilité, qui constitue un privilège pour nous et vous,
Cet instant est un instant très intime. Et donc, vous allez devoir répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Alors, vous allez adorer. C'est très simple. On y va directement, succinctement et franchement. Alors, on va partir avec la toute première question. Bonjour la Fouche, comment vous allez? Moi, c'est M. Bar. J'aimerais passer par ce moment pour vous souhaiter le mieux et le meilleur pour cette année. Beaucoup de courage pour le travail que vous avez fait. Et pour la vie, c'est également le mieux et le meilleur. Moi, ma question est toute simple. Durant tout votre mandat, la vie, c'est la plus naturelle que nous avons connue. Si je le dis ainsi, parce que vraiment, tu as été très vraiment naturel. Moi, je voudrais savoir comment est-ce que tu as pu surmonter la pression sur les réseaux sociaux jusqu'à la fin de ton mandat. Merci. Bon. Réponse. Alors, la pression sur les réseaux sociaux, c'était pas facile. C'était pas vraiment facile parce que au début, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Mais après, quand on a une vie comme la mienne, on se dit, on ne doit pas traîner sur les critiques des gens. Du coup, je me dis, au lieu de penser négativement et suivre ce qu'ils se disent, je vais prendre plutôt leurs critiques comme une sorte de positivité dans ma vie et avancer. Et à un moment aussi, c'était la population togolaise qui m'avait donné beaucoup de force de continuer parce que j'étais arrivée à un moment où je voulais flancher. Voilà. Je voulais flancher. Je m'étais dit, ils ont oublié qu'être Miss aussi, c'est être un humain. Ouais. Et on a un cœur, c'est pas de la pierre. Et on ressent on a des sensations. Voilà. Deuxième question. Bonjour et bienvenue à Miss Estelle. Je suis sincèrement heureuse de te retrouver sur la pause aujourd'hui. Alors, ma question est la suivante. Quels sont finalement tes rapports avec Coco Topé? Parce qu'il a semblé, entre-temps, ne pas beaucoup t'aimer. Ou peut-être était-ce sa manière de se rapprocher de toi? Merci et bonne suite. Réponse. Le personnage revient, hein, Coco Topé. Disons que j'ai pas particulièrement de rapport avec lui sur les réseaux, que ça soit dans la vraie vie, j'ai pas de rapport avec lui. Il arrive que si on se voit des soirées, parfois on se salue, parfois non. Donc chacun gère sa vie de son côté, quoi. Exactement. Troisième question. Voilà, réponse, notre Miss. Nous tentons les amis. Estelle? Vous êtes libre de répondre ou pas? Non, je vais répondre. D'accord. On peut répondre en minant, hein, si tu veux. Oui, si tu veux, il n'y a pas de problème. À l'aise comme tu veux. Il a posé la question en minant. En minant. Ok. Amegogoro Bionom. Je crois que c'est l'opportunité de répondre aussi. Mm-hmm. Avant de participer à Miss Togo, j'avais un gars et après, c'est toujours le même gars. Oh, wow. Voilà. Ah ouais. Wait.
Alors, attention. Alors. Ah non, moi je veux répéter. D'accord. Elle a dit, oui. Avant de participer à Miss Togo, oui. J'avais un gars, bien j'avais sûr. Mon homme. Et après Miss Togo, je suis toujours avec mon homme. Les filles, allez apprendre. Ça là, si c'est pas beau ça, hein. C'est trop mignon. Alors, je pense... Fidélité. Oui, voilà, justement, fidélité. Magnifique. Mais, oui, vous êtes toutes fidèles, les femmes. Magnifique. Merci. On a fini avec les questions. Non, 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 on n'a pas fini. Alors, mais on y va oublié. Avec... Non, oublié. Non, mais vous êtes toutes fidèles, ou bien... Posez la question. Alors, on y va avec l'ultime question de ce moment. Innocent. Bonjour, la pause. Je m'appelle Nadia. Je vous appelle Daddy Dogomi. Je vous remercie pour cette émission et félicitations à vous. On a tendance à comparer les Miss entre elles. On l'appelle la Miss des Miss. Qu'elle a quelque chose que les autres n'ont pas jusqu'ici. Je parle de Miss Ishabatu. Est-ce que Miss Estelle s'est déjà sentie intimidée par Miss Ishabatu? Merci. Vous aussi, vous avez des questions là? Non, non, je ne me suis jamais sentie intimidée par elle parce que je ne me compare jamais à personne. Magnifique. Je suis ce que je suis et l'autre aussi est ce qu'elle est. Ouais. Du coup, c'est chacun avec sa personnalité. J'apprends d'elle, mais je ne me sens pas intimidée par elle. D'accord. Non. Alors, c'est vrai, Océane, si tu le permets. Oui, nous avons. Il y a même des questions ici aussi qu'on va lui poser. Ok, qu'on va lui poser. Continue. D'accord. Je peux en poser, mais vas-y, toi. Non, 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 j'aimerais revenir sur une image. D'accord. Alors, au lendemain juste de ton couronnement, Innocent, si tu es prêt, on va envoyer cette image pour que Miss Estelle nous dise exactement ce qu'elle a ressenti en ce moment et aujourd'hui ce qu'elle ressent. Par rapport à cette image. Moi, j'aimerais déjà, Estelle, en fait, que tu nous racontes ce qui s'est passé avant et pendant cette vidéo. Bien sûr. C'est le gars derrière. Estelle. Voilà, justement, on y va. Bon, c'était le lendemain de mon couronnement. Oui. J'avais hâte de rentrer à la maison parce que j'ai passé une semaine loin de la famille. Oui. Du coup, c'était qu'ils m'ont soutenue, oui. Et je voulais leur apporter, genre rentrer les remercier que et nous qui bémi domia donc j'étais rentrée à la maison. On m'avait dit que la nuit où j'étais élue, tout le monde, tout le quartier était venu réveiller maman à la maison que Miss Venom, Miss Venom. Oh. Donc, quand j'étais rentrée, tout le monde voulait me voir si c'était vraiment vrai. Oui. Donc, ils ont quitté de partout. J'étais dans la chambre, je ne pouvais pas leur dire que non, je ne peux pas vous recevoir. Ouais, ouais. C'est pas ça, je ne peux pas. J'avais même pas le temps de me préparer puisque j'étais rentrée fatiguée, j'étais en train de dormir. Et comme vous l'avez vu, j'étais dans la vie de mouvement. Du comité, ouais. Donc, quand j'étais sortie, je n'imaginais pas que les gens étaient beaucoup comme ça devant la porte. Et j'étais sortie en même temps. Tout le monde m'avait filmé. Et même si j'avais interdit à d'autres de ne pas me filmer, ça avait déjà été fait, ouais. Déjà fait. Donc, il y avait d'autres, mes amis du quartier, ils m'ont demandé comment ça a été. Odouzi, parce qu'ils ont l'habitude de m'appeler Miss, en fait. Ah. Disons que je n'ai pas de problème avec quelqu'un dans le quartier. D'accord. Je passe ma route, je te salue, tu me salues, et puis ça va, s'il y a quelque chose, on se dit. Donc, tout le monde était content. Et quand j'étais sortie, il y avait une maman qui m'a donné son enfant. Apporté. Qu'il a tenu Miss Kokwekpo. Oh. Voilà, Océane. Encore, regardez, la vraie histoire, elle est là. Oui. La vraie histoire, elle est là. Et sur les réseaux, chacun y est allé comme il avait envie de le Bien voir. Sûr. Alors que la vraie histoire, elle est attendrissante, elle est vraiment touchante, elle est là. Alors, Aïda, pardon. Alors, j'ai dit Aïda, c'est après toi arriver à la télé. Non. Estelle, il y a une question d'un téléspectateur. Il a dit, est-ce que... Durant ton mandat ou depuis que tu as cette grosse notoriété, tu as déjà été confrontée à des soucis de harcèlement sexuel? Oui. Non. Pas à ma connaissance quand même, non. Comme je l'ai dit, il y a des choses qui se racontent quand tu viens
au concours national Miss Togo. Par exemple, ouais. À moi, on m'a dit que non, que je ne pourrais pas avoir la couronne si je ne l'ai pas achetée. Je dois sortir avec telle personne. J'ai dit, je n'ai pas tout ça. Du coup, quand je suis allée, j'ai pris la couronne sans payer. Je me suis dit, tout c'est des rumeurs. Raconte, ouais. Voilà, c'est des rumeurs. Mais il y a que quand tu n'es pas dedans, quand tu n'as pas mis pied dedans, tu ne sais pas vraiment si c'est vrai ou c'est faux. Donc, moi, personnellement, il n'y avait rien de tout cela. Je n'ai pas eu d'assèlement sexuel, quelque chose comme ça. En fait, c'est juste parfait parce qu'il y a une personne, grâce à son histoire, qui a permis au comité de démentir tout ce qui a été dit jusqu'ici. Bien sûr. Et vous la voyez, elle est authentique. Elle est toujours avec son gars, tonton chapeau, tu as réussi. elle est toujours avec son mec et elle n'est pas passée justement par la promotion canapé ou oui. Comment que ça s'appelle. You know. Et elle est restée elle-même. Exactement. En tout cas, on va remettre la lumière, les gars. Whoa! Estelle, je te fais descendre de la chaise. On va venir chercher ceci rapidement, Saïd. Bien sûr. Voilà. Ah, et ouais. Maintenant, viens juste à côté de Kenopi. On ne va pas te laisser partir comme ça. Est-ce que tu aimes la musique? Oui. Tu aimes la musique? Oui. Bien. Alors, tu vas choisir une chanson que tu vas fredonner ou chanter avec notre cher Kenopi. Bien. Moi, je vais lui proposer deux morceaux. Tu vas lui proposer parce qu'on a une minute. mais avant ça, son animal porte bonheur. Est-ce que tu as déjà eu la curiosité de savoir à quel animal tu ressembles? Non. Pas physiquement, hein. C'est-à-dire, non. Bon, on va te dire quand même. Alors, déjà, elle est née le 3 mai. On célèbre les Jacques et les Philippe. D'accord. Voilà, ces métaux chanceux sont l'acier et le métal. Pierre de naissance, lapis, lazuli. Numéro porte-bonheur, 732 61 83 89. Couleur porte-bonheur... C'est ça! Couleur porte-bonheur, marron et noir. Jour de chance, vendredi. Ah. Fleur porte-bonheur, crocus. Plante porte-bonheur, gora. Et animal porte-bonheur, le grand kudu. Animal porte-bonheur, le grand kudu. Ah, je comprends pourquoi les c'est attaques magnifique. Ne te touchent pas. T'es déjà préparé, dis donc. Hein. Bravo. Alors ça, c'est ton animal porte-bonheur. Et maintenant, Kenopi, on va finir l'émission avec ça. Elle va chanter pour vous. Voici où aller dans les badiers. Oh, doué, me fouille à oua, non, gâte pas mes foutants, oh, dit bélo. Bella degbe, odri be na danye. Baby oh la chapa me na sukulu tie. Odri be sora la waka kege futo odi belo. Bella degbe. Aya, bella de. Aya. Avec Miss Estelle Jacqueline Tessou, Miss Togo 2022. Elle est juste magnifique comme elle est là. C'est comme ça qu'elle est. Il ne faut pas aller créer autre chose maintenant. Et Coco Dopé, bisous à toi. Hein? Pour le reste, nous, on se retrouve demain. C'est jeudi pour continuer l'aventure. Merci Estelle. Wow.